Domo Aligato, Mister Roboto, Domo Domo. Domo Domo. Pas le choix. Oh, ça récolte. Oh, ça récolte. Putain, mais exemple, ce monstre d'efficience. Il sert pas à grand chose, on est d'accord. Hein. Allez. Voilà, on essaie d'être efficient. Tac. Allez. Non, pas ma bite. Ah bah, que veux-tu? Il fallait. Non, c'était pas possible. Regardez, même une écureuil là. Non, c'est pas possible. Ma bite. La moue de ma bite. Impeccable. Cet écureuil. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut chasser cet écureuil? Alors, comment on va boucher ce trou de manière intelligente? Et surtout sans acier, rappelez-vous. Parlons peu, parlons bien. Pour qu'une salle du trône soit valide. Cat tile, ok. Half floor, double bed. Non, attends, ça c'est bedroom, ça. On est très bien. Brasier x2, colonne x2, harpe.
Ah, c'est pas centré. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Rien n'est centré. Brasier 2, colonne x6, piano x1, pas de harpe. Ok, d'accord. Good to know. Ensuite. Bon, question sérieuse, t'as jamais passé de Xyst ou de Wise? Ta psy t'en a pas parlé? De quoi tu parles? What the fuck are you on, man? J'ai aucune idée de quoi il s'agit. Très sincèrement. Alors, check my time, non? Déjà, on va faire tout ça. Ah si, j'ai passé un test de QI quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je devais avoir 14 ans.
Ah oui, brave, c'est ça. Trouvons le skill trainer social. Où sont-ils? Il y en a trois. Brave. Utilise les trois skill trainers et arrête d'être un gros autiste. Là. Apprends. Bien. On dit bonjour, on dit au revoir. Bien, on se touche pas le zizi en public. Bien, on sait reconnaître les hommes des femmes au premier coup d'œil. Même si c'est dur. Apprendre l'intellectuel. Apprendre l'intellectuel. Élève-toi. Eh ben, c'est un processus, hein. Merci. Je suis tellement fier et content que tu sois venu au raisonnable silence. Donnons-lui désormais un véritable nom. Je rappelle, c'est une construiseuse et une mineuse. Incapable d'intellectuel ou d'artistisme, mais c'est pas grave. On a déjà patience. Perceuse. Contemple est pas mal. Hein. On peut l'appeler Silence, hein, mais c'est son nom secret déjà. Donc, façonné. C'est pas mal. Hein. Politesse, non. C'est pas mal, Zygma, mais non. On n'y est pas. Contemplation, c'est pas mal. On peut l'appeler contemple. Contemplation, bienvenue chez toi. Tu auras... La chambre qui n'est plus à personne désormais. Ou celle-ci. Ou t'auras la chambre avec l'aquarium. Je suis sûr elle te plaira. Contemplation. Voilà, je libère ton emploi du temps.
Très bien. D'ailleurs, contemple, contemplation, ma belle. Ah. Alors. Déjà, on va t'administrer un healer mec sérum. Ensuite. Ton bras gauche est un drill arm. On va t'installer une bionic spine améliorée. On va t'installer deux bionic legs améliorés. Ton drill arm, c'est l'arme gauche. Ben, on va t'installer un power arm. On va te faire 3 rejuvenate. On va augmenter ta beauté. Et au niveau des yeux, on pourrait lui mettre un vrai Bionic Eye. Le Black Pearl lui permet d'avoir de la Night Vision. Left Eye, Right Eye, Advanced Bionic Eye, Right Eye. Et puis voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre de mieux aussi? Qu'est-ce qu'on peut crafter pour la petite dame? Hein? Professeur, ben screw, drill arm, field hand, knee spike, non, vimtalo, bionic dream arm. Elle a juste un dream arm normal, on est d'accord. C'est de la merde. Très bien. C'est moins bien que le premier Cyclope Visor, Elastic Achille, Energy Fist. Écoute, moi je pense que là on est plutôt pas mal. Contemplation va se rééquiper de son drill. Ah ça, elle a juste une drill arm normale en fait.
Alors qu'on pourrait lui mettre un Bionic Drill Arm. Remove. Remove. Vous voyez le remove drill arm ou pas? Je le vois pas. Hein. Je le vois pas. Bon. Petit fertility booster. Eh bien, très bien, ça développe tout seul. Excellent. Ah, elle a enlevé le collier explosif. Excellent, ça bosse là-dessus. Comment ça s'appelle ces casques? Archon Helmet, ouais. Contemplation. Autorisation du Archon Helmet. Et suppression de Hardhat, ok. Exoskeleton frame, super. Il m'en faut 4. Voilà, très bien. Parfait. Voilà, elle est en train de se rhabiller.
Workspin Integration, très bien. Ah, mais ils sont en train de faire toute la recherche tout seul, c'est génial! Ah, malheureusement, nos deux amis, les robots, sont en train de mourir. Ah, on a perdu un robot! Telle est la vie. Attends, avant que tu continues à faire n'importe quoi, est-ce que tu veux pas manger un bout de chocolat? Puis boire un cola, si tu veux. Histoire d'avoir un tout petit peu de récréation, parce que là, c'est un peu la zermie. Hein. Maintenant que tu es une vraie citoyenne, il faut que tu t'adaptes. Allez! Là, voilà, très bien. Là, bon, prends un Buzz Cola. Buzz Cola, tu tuerais pour en avoir. Là, voilà, et ça va beaucoup mieux. Ok. C'est vrai que tu es marqué comme un animal. Ah, la marque d'esclave de contemplation a été soignée. Comme quoi, il y a une justice, voyez. Ça bosse, ça installe les tapis, ça fait une belle salle du trône. J'espère juste que ce sera pas mal centré. Ce sera forcément mal centré. Et je m'en bats les couilles, vous savez quoi. Produit. Ok, très bien. Il faut du style, j'en ai plus. De gold, chier. La zermie est totale. Bon. Construction 8. Victoire Pupus, qu'est-ce que tu fais? Victoire, tu travailles dur, n'est-ce pas? Je comprends. Je comprends. Tu veux travailler encore un peu plus dur, Victoire? Les robots entrent. Quel miracle. Victoire, et il faut les CCT machins là. Allez, ils sont où? Les trucs rouges là pour la route. Ah, parce qu'ils sont pas stockés, me dites pas qu'ils sont pas comptabilisés. Oh, mais ils sont là.
Rah, les robots qui sont en train de mourir. Allez. Une jambe robot, deux jambes robot. Je sais pas pourquoi elle passe par le haut ou elle considère que ça va plus vite. Ok. Ok. Ok, ça a été éteint. Efficacité. Baby, tu continues tu continues les opérations. Ah, c'est vrai que lui était complètement dépressif du cul. En même temps, c'est un esclave. Il faut pas des torches, mais bras zéro, c'est ça. Voilà. Un coloniste a besoin d'aide. Geston. Exemple est dessus, c'est bien.
Lequel d'entre vous a le cadavre de votre pote? Ah. J'ai trois. Alors, on va tenter des dingueries. Exemple. Où est-il? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Le voilà. Utilisation du sérum résurrection sur le robot. Activation de la dinguerie. Nanomachine, son. Ça marche. Les voyageurs passent. Bonjour. Au cac. Voilà. Voilà. Ouah, ça coûte super cher en gold. Oh, 200. Ouah, c'est giga cher. Il va me falloir au moins 10 000 gold. Bon, au moins tout ceci fonctionne.
Ok, bon. Ça, ça marche. Merci. Abondance. Abondance, tu craftes. Tu craftes avec concrète. Concrète, tu as le chapeau du technoprêtre. On n'y est pas, hein. On n'y est pas. Alors qu'on a deux chapeaux archons qui sont très très bien. On va changer ça. Même s'ils sont moches, il faut optimiser l'efficacité. Voilà, interdit d'avoir un NGC Hood, il faut le chapeau. Vas-y, non, toi, finis pas ton rosaire, tu n'auras pas fini. Pourquoi tu peux pas apporter le harcon helmet? Pourquoi elle ne peut pas porter le harcon helmet? Est-ce qu'il y a une update? Apparemment, le harcon helmet a été nerf. Tristesse.
Ok. Voilà. Voilà. Enfin. Très bien, ça s'est éteint tout seul, ok. Ah, le tonne de rock est fini, j'avais même pas remarqué. Glorieux. Shaping Lightning Fall, Thunder Hammer, Power Fist, Scorpion Scroll, Grande Hérésie, Splinter Technology, ben recherchez la Grande Hérésie, lol. Faites de la recherche. Pourquoi avons-nous un caméléon Yak et pourquoi possède-t-il tant de ressources? Quelle est cette vanne? D'accord. Et pourquoi toi tu vas rusher immédiatement le truc qui est inutile et qu'il faut absolument détruire? Pourquoi, me demande-t-on? Voilà. La grande hérésie, ça donne quoi? Faut voir, faut voir. C'est un processus. Alors ça a demandé un peu plus de gold que j'en possède actuellement. Mais je commence à avoir de la gueule. Il voulait une harpe aussi. Je crois que je l'ai déconstruite. Non, c'est bon, j'en ai une. Voilà. Bon, 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 bon. Dézoomons, voyons voir. Ça mine, ça recherche, ça fait des ressources. Il est à 1200 de style et à 1300 de style. Est-ce que ce serait... comme on dirait dans le métier, le bon plan. Ensuite, créer une colonie avec... Elle est où la petite? Elle est où la petite? Victoire, voilà, victoire. Et les fameux SARG machin mes couilles, là ils y sont là. Obligés, ils y sont, ils y sont. Comment ça s'appelle? AI, je sais pas quoi. Oh, c'est pas sérieux. AI SRG2.
fine. Cependant, ils sont en people et animal en bas de la liste, pardon. Wouah! L'interface, les enfants, l'interface. Bon. On ne peut pas transporter autant. Et bien, part avec apt. Voilà. On ne peut pas transporter autant. Et ben partez avec Brave. Je ne peux pas transporter autant. Et ben partez avec deux robots. Je ne peux pas transporter autant. Partez avec quatre robots. Voilà. Quand même. La caravane de Jack est... Oh là, wow! La caravane de Jack est partie, elle est déjà arrivée, si tu veux. Téléporte. Ok. Bonjour. Nous sommes ici pour toutes vos ressources. Bonjour. Fucking vaporized. You fucking what, mate? You fucking what? You fucking what? I'll punch you in the gob, mate. Des visiteurs. Très bien, ça. Ok.
là. Il rentre avec 10 000 de style. Ok. Qu'est-ce qui m'arrive? Caravane en bouche, caravane... Très bien. Elle est en train de se faire complètement charcuter la gueule. Elle se prend des gros réjuvénats dans la gueule. Allez, elle a perdu 5 ans. Déjà ça, ensuite. Et toi, t'as pas ton gros arme, ton gros bras bionique, donc tu vas le mettre. Toi, tu as les deux. Toi, tu n'en as qu'un sur deux. T'as que le gros et t'as pas le petit. Viens mettre un petit. Un petit à bec. Ensuite, qui voit, je vois passer sans ça, là. Patience, t'as le petit à bec, mais t'as pas le gros. Donc, viens mettre un gros, là. Cyclone et Baby, on s'en fout. Abondance, t'as les deux, tu me fais plaisir. Concrète, il t'en manque complètement un. Ce qui est, somme toute, absolument inacceptable. Voilà, donc viens mettre le bras robot, s'il te plaît. Toi, t'as les deux. T'as les deux et t'as même un crâne qui te suit. Plaisir, ma belle, de ce que je t'envoie, t'as ni l'un ni l'autre. Et donc, c'est comme qu'on dit dans le métier, ni fait ni à faire. Donc, tu vas mettre les deux, histoire de tripler ton efficacité. Ouais, ok. Exemple, histoire d'être encore plus pété. Mets les deux bras robots. Voilà. Triple ta vitesse de travail. Ah, t'as été obligé de lâcher celui-là. Non, c'est bon.
C'était compatible. Ok. Là, voilà, parfait. Excellent. Multipliant ta vitesse de travail par environ 16. Jack. Jack. Mon cher Jack, est-ce qu'il te reste un bras à robot qui traîne? Ah, j'ai bien peur que non. Qu'à cela ne tienne. Concrète, tu essaies d'améliorer les relations avec les autres sauvages. Je m'en bats les couilles. Va améliorer d'abord la productivité des bras mystiques. Voilà. On peut donc accumuler les OI, ok. On peut accumuler les AI. Endurance, un petit coup de réjuvénate fera du bien, je pense. Tu le finis ce bras à la con là? Allez! Voilà! Enfin! Voilà déjà ça! Et ensuite, viens prendre... Il nous reste une perceuse qui traîne. Là, ouais. Et lui, il cache des cailloux jusqu'à la fin de ses jours, comme quoi il y a une justice. Ok, on est en train de placer un sol. Shuttle crash, comment ça, shuttle crash? Ah oui! Ah oui! Ah, ils sont écrasés chez moi tout de même! Oui! Donc on peut les rescuer
où on peut les capturer. Et là, c'est intéressant. Nervous, straight hard worker, abrasif, philanderer, c'est quoi? D'accord, il va baiser partout. Et c'est un tamer d'animaux. En vérité, il sert pas à grand chose, hein. Shooting 20. Polyamoureux, jaloux. Je suis pas convaincu. Intellectuel, non. Crafting 10. Technophobe, aïe aïe aïe. Et Haruka, préfère la chaleur. Hétérosexuel, jogger, 13 ans. J'ai peur que malheureusement, sur la totalité de cette population... beaucoup ne laissent à désirer. Il pleut des esclaves. J'avoue, ça aurait pu être intéressant, malheureusement. Malheureusement, aucun n'a de travail. Éventuellement, il y avait le crafter qui était intéressant, mais... Écoute. En vrai, si je veux des esclaves, je peux me fournir tout seul. Ah, il y a eux alors. Alors, construct. Comment je fais pour utiliser ? D'accord, non, attends.
Attends. Stone, steel, chem fuel, placile et uranium. Ce qui me manque, c'est des composants industriels et des composants spacer. Ok. Sans le bébé. Je me demande si c'est ça, hein. Ou s'il va me falloir encore des matériaux que je comprends pas, tu vois. Mais ok. On va bien voir. Parents de caravane au passage. Ok. J'essaye des choses en vrai. En vrai, je sais pas ce que je fais, mais j'essaye. Ils y sont, c'est allé vite, hein. Relationship. Oh. Le mineur Andrés est l'oncle de Jack. On attaque littéralement de la famille. Oh well. Cassons-leur la gueule! Bonjour! Bouc! 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 C'est une boucherie! Alors, on va éviter la dépression. Donc on va ramasser ce connard. Là. Maintenant qu'on les a ramassés.
un d'autre. Ok, super, cherchons des matériaux rares. De la céramite. De la céramite. Du granit. Des composants. Et c'est absolument tout. Cet endroit est une zermie absolue. Mais c'est pas grave, on vient de récupérer le cadavre de l'oncle. Donc, on ramène tout ceci à la maison. On prend l'acier. Où est-il, l'acier ? Style, il est là. C'est toujours un peu de style. On a le cadavre de tonton. Le cadavre de tonton, c'est important. Et on y va. Voilà. Gros pectoraux à la Broly. Poup. Là, j'ai posé le cadavre de mon oncle. Il me faut un Resurrector Mech Serum. Très bien. Utilise le Resurrector Mech Serum sur l'oncle. Ce serait dommage qu'il soit mort, tu vois. Ok, ça veut pas. Qui a pris le corps ? Ah, voilà. C'est bon. Voilà. Ah. Ah. Apparemment, ce n'était pas, il y avait pas que l'oncle. Il y avait aussi sa mère et son grand-père. Mais bon. Et Gifra, on a pu sauver un oncle, c'est déjà pas mal. Voilà.
J'espère qu'ils vont réussir à bosser sur cette route. J'aimerais bien qu'elle soit faite en vrai. Easy boss. Easy boss. Bon, et ben c'est un processus. Bon ben il y a des gens du First Order qui sont venus nous voir. Elle se fait réjuvener, pardon, excuse-moi. C'est vrai qu'elle a 45 ans. On la remet à 40 piges, histoire qu'elle soit fraîche. Et elle... la même. On cherche du gold, ouais. On cherche de l'or. Deuxième couche de la Juvena. Troisième couche de la Juvena. Voilà, et endurance à 33 ans, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, ça opère. 41. Encore un petit coup de réjuvénat, hein. on se l'offre. On se l'offre. Finalement, elle se démerde bien, la petite en médical, là. Petite reconstruction faciale. Boop! Et elle est mignonne. Soudainement. Ça gagne du level, hein. Ce Roomba. Hop, on lui installe un œil bionique. Oui, tout va bien. Oh. Bombardement de factions. Petite body modification.
Voilà. Et on n'a pas d'œil bionique à lui installer. Un petit coup de réjuvena, encore un dernier. Voilà. Elle passe de 37 ans à 33, ce qui est somme toute très honnête. Et à partir de là, on prend... J'ai dit, pardon, excuse-moi, on prend... Jack est exemple. Et on a besoin de personne d'autre. Allez-y. Oh, ça bosse. Exemple est Jack, il s'éclate. Hein. Mais je dois avouer que les améliorations de jambes de vitesse, ça fait envie. Hein. Après, Jack est purement biologique. Hein. Enfin, biologique. Autant qu'un Astartes pucette, mais disons que ouais, ça c'est un primaris, les enfants. Hein. Ça éconne zéro. Allez. Ah bah, ça allait vite. Apparemment, c'est deux populations qui se préparent à se bombarder le cul l'un l'autre. Ça peut être très drôle. D'un côté, nous avons une population. Et de l'autre côté, des Xenos. Et même des Eldar. Juste.
Bon, voilà. Après, beaucoup d'Eldar, hein. Mais les Eldar nous apporteront rien et je pourrais les affronter, mais quel intérêt. On a déjà gagné. L'important... On peut pas ? Il s'appelle Diala is our collecting the loot. Oh. Ah, il se prépare à massacrer les restes. Oh. There. Bon. Malheureusement, ils nous ont pas laissé grand monde. Hein. Ils les ont achevés, ces fumiers. Donc malheureusement, on n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais écoute... Peut-être tenter une OP. Il y a peut-être une opération à tenter. Là. On peut récupérer ça déjà. Ça, c'est gratuit. L'ambroisie, c'est gratuit. Le wake-up est gratuit. L'acier est gratuit. On va voir ce qu'ils ont laissé derrière. C'est fumier. Biting Blade. Scorpion Claw. Why not? Witch Blade, c'est non. Les pistolets shuriken de mes deux, c'est non. Les Bright Lance, c'est sympathique, mais c'est non. Les Prism Rifle, ça vaut pas mal de thunes, je les garde, on pourrait peut-être les vendre. Malheureusement, tous ces équipements... Tous ces équipements de terre bas... Oh, une Builder Jacket, eh. C'est gratuit. Tout le reste, c'est de la merde en boîte, c'est de la merde en parquette, c'est de la merde en pelouse...
un peu de silver, et c'est tout. Allez. On se dirige à vitesse grand V vers la petite machin de collecte, là. Où ils ont un truc comme 3000 graines de pavot de je sais pas quoi mes couilles qui traînent. Où ça va être une boucherie. Search and Destroy. Attends, ouais. Équipe-toi de ça. Exemple, reste un peu en arrière. Un peu en arrière, exemple, j'ai dit. Exemple. Petit Kaiser. Ah, ça stun. Voilà. Ok, super. Et avec ça, on va se faire plein de victimes. Donc ça, par contre, c'est super. Allez, une petite pluie d'esclaves. Alors, nous avons Owens, builder. 8 en construction, 11 en artistie, 9 en plante. Allez, bienvenue à la maison. 10 en animal, 11 en crafting. Bienvenue à la maison. 7 en construction, 3 en intellectuel, 7 en animal, bof. 12 en crafting. Bienvenue. Un peu de social et d'intellectuel, mais sinon il sert à rien. Rien du tout. 13 en plantes. Plante et animal et social. Allez, on y croit. Rancher, donc lui c'est que pour les animaux, donc c'est tant pis. Grunt, cooking et plantes. Oh, why not? Botaniste, plante et animal, bien joué. Quarry worker, lui bosse à la mine, c'est un mineur. Il est pyromane, donc on va s'en passer. Galosser baliste, construction mining, on s'en fout. Kaiser assistant, petite fille de 8 ans. Malheureusement non, on s'en passera. Hey, petite récolte quand même. Petite récolte de gens. On récupère le silver, voilà. Pas de style. Je regarde juste tout ce qu'il y a sur place. Et le reste, c'est de la merde. Ok, très bien. Allez, vendu. Contemplation, fais voir à quoi tu ressembles déjà là un peu. C'est quoi ce chapeau? Oh, ok. Tu vois, ça te fait plaisir. Regardez comme elle est belle! Manipulation 108%. Moving 171%. Fertilité 300%. Voilà. On a réussi à en faire quelque chose. Hein. Non. Thank you.
Ah, on commence à avoir une bonne... Oh, un vaisseau de recrutement. Allez, manger mes pilules. Alors Mais c'est qu'elle est pas dégueulasse, la petite! Regarde ça. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Teresa, Cave Builder. Quel âge là? 56 ans, il va falloir la, la. Il va falloir la briser. Ah, j'ai pas d'argent. Ah! Dommage. De plus, j'aurais pas pu l'accuser. J'aurais fait mon Yakuza. Oui, alors, vous faites l'école. Et c'est bien. Voilà, mais le problème, c'est que... voilà, vous faites l'école. Voilà, vous faites l'école, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus d'enfants, en fait. Donc arrêtez de faire l'école. Merci. Bon. Attends, où sont tous les esclaves? J'aime comme j'ai capturé ces gens, je les ai ramenés chez moi, mais je les ai pas des... Les esclaves, les amis en prison, j'y travaille. C'est un détail qui m'aurait échappé, tu vois. Vois-tu? Ça bosse? Ça bosse. Hein. Waouh, le fait qu'il n'y ait pas de route ici... ça rallonge le temps de boulot. Hein. Ils en ont pour une petite semaine, quand même. Hein. Quoique je pourrais y laisser les robots. Hein. Je me demande si j'y laisse que les robots, ils peuvent bosser. Ce serait fou. Ce serait fou, ce serait fou, ce serait fou. Bon.
Pas laisser se gâcher ça. Ok. Alors si j'envoie exemple, c'est pour une raison simple. C'est parce que de tous, c'est la plus rapide. J'ignore si on peut la rendre encore plus rapide d'ailleurs. Sans doute possible. J'ignore comment. Voilà. Attends, du coup, il faut attendre que la caravane elle passe là. Ça risque de prendre un certain temps. Je voulais aussi voir ce que ça donnait si on prenait. Si on prenait statuesque, enfin exemple, et qu'on l'envoyait bosser sur les routes, est-ce qu'elle rajoute énormément de boulot ou pas du tout? Oh, pour qu'elle s'amuse. Le bébé, il est toujours là, le bébé. Jack, tu veux pas coucher avec ta femme? Non, hein. Des quantités d'or absolument obscènes. Absolument obscènes, vous dis-je. Bon, ce clavier, bon, tant pis, il me fait mal à l'œil. Là. Par contre, c'est censé être un arrêt de caravane, mais il s'y passe strictement.
Stricto sensu, rien du tout, hein. Je vais être sincère, je suis un peu déçu. C'est peut-être une bonne chose pour l'ossature d'errance de Baby. C'est vrai qu'elle a eu 4 gosses. Hein. À un moment, il y a une productivité qui était réelle. Ah, attaque! Alors c'est ça leur petit îlot de merde, hein. Avec 3 péteux et... Ok, pas de problème. Non, attends, pas lunch. Bomb target, precise drop. Là. Ouf. Là, ça devrait être pas mal. Plus qu'à patienter gentiment que tout ceci se fasse. Plutôt tout ceci se défasse. Ah, ils sont tous à poil. Lance, massue, gourdin, Kakashi. Grosse moumoute. Gros nichon. Grosse canaille. Gros Tao Pai Pai. Des poules, notamment. Des animaux! Des animaux! Avec quand même une armure, hein. Un métier à tisser et tout, un truc de tanneur. C'est presque sérieux, en fait, hein. Petit Thunderhawk. La course avec l'avion. Presque.
Voilà, contemplation aussi. Moving 243%, pas mal. Avoir remarqué que j'envoie absolument tout le monde, sauf Endurance, parce qu'elle a besoin de nourrir le bébé au sein, je rappelle. Putain, ouah, je suis fatigué, faut que j'aille me coucher. J'ai pas lu Exemple, j'ai lu Cream Pie pendant une seconde et j'étais à... Pardon. Excusez-moi. Non, je vous jure, j'ai vrillé pendant une seconde. Ok, on est en train d'essayer de séduire tous ces minables. Voilà, ils sont tous partis. Fusion totale. Reprenez le travail. Ouais, ça va plus vite quand même. Hein. Ça prend environ 50 secondes pour faire un carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, un peu moins de 15 minutes, ça dépendra. Fais voir. Regarde, quand toute l'équipe s'y met tout ensemble, quand toute la famille bosse. Ah! On avance! On avance! Et à chaque fois, ça en claque un ou. Il faut que je vérifie. C'est beau les entreprises familiales. Ouais, t'as vu, c'est ouf. Hein, et là, à la maison, il y a un esclave, Endurance, qui est là pour nourrir au sein et travailler, tu vois, un peu. Jack, il est en train de convertir tout le monde à la religion. Il nourrit les gens à coups de pemmican. Voilà. On va vérifier, on va check. Hein. Non. Ça veut dire que j'en ai produit 10 pour rien. Bon. C'est-à-dire que j'en ai produit 10 000 pour rien, en fait. J'ai produit 10 Game Boy, si tu veux. À chaque fois que je lance le jeu, je croyais que ça a épuisé une Game Boy, mais c'est faux. C'est faux. C'était une erreur de ma part. Vous faites que 900 wood, vous, et eh bien... Ils font 6000 potatoes, ça va, ça produit. Là, ça fournit du riz, ok. Au moins, ça a le mérite d'être raisonnable. J'avoue, la petite autoroute qui mène en haut, là, ça va faire plaisir, ça.
Ah oui, donc ici sous la terre, il y a 5 Astartes drop pod. Ok. Bon à savoir. Les Astartes dans le sol. Ah, c'est énervé, Rimworld. Ah, vous croyez c'était simple? Eh ben non. Un cabinet de schematics. J'en ai déjà placé un là. Mais TF21, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu chiales? Mais oui, parce que des tas de gens sont morts. Allez, 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 allez. Bois une bière. Fume un joint. Et mange un coup de chocolat et cesse de me casser les couilles. Voilà. Voilà, fume un gros bédo. Tu te déglingues 1100%. Le lapin ! Oui ! Quel amour ce truc. Ah. Mais on voit son cul. Qu'est-ce qui se passe? Shit. Ils arrivent comme Tao Pai Pai. Ok. Bon, faisons nos courses. Alors. Mining and cooking. C'est non. Fin de 3 ans. Shooting melee. Plants artistiques. Torturest artist.
Un slowpoke, hein. Glasses. Beaucoup de crafting. Body modder. Et elle aime pas du tout les agents chimiques et trucs. Il faut absolument la sauver. Voilà, capturer. Hop. Ok, donc nous, on est médecins, n'est-ce pas? Ouais, il va falloir faire avec. C'est qui, lui? Perfectionniste, fast learner, ugly and straight. Il est inutile. Ouf. Ces gens-là sont soignés. Qui d'autre y reste ici? Williamson, Bonnie et Nirina. Lui, c'est de la merde. Irina, Great Memory, Wanderlust, Brave et Straight. 14 ans. En vrai, elle aurait été super si elle avait servi à quelque chose. Bonnie. 77 ans. Ah, Irina est jeune, en marque. Hein. On peut peut-être en faire quelque chose. Hein. On peut peut-être faire, en faire quelque chose. Viens achever ces connards et capture Irina. Quand même, hein. Belle tentative d'attaque de leur part. Hein. Il reste Canvas. C'est un esclave. Hein. On le capturera juste après. Elle meurt dans une heure. Est-ce qu'il aura le temps? Ouf. Super. Canva est là. Et on va l'arrêter. Ouais, on part ici. Et il a pas voulu. Il a pas voulu, il est mort. Bah tiens, très bien. Parfait. Ouais, tout le reste, c'est des ordures. Ils ont pété un peu de mon bordel, mais bon. Ils ont surtout niqué mon tapis et mes murs, quoi. Foutez-moi tout ça au feu. Je veux rien entendre parler. Conversion
Immersion, Medical Emergency, Irina. Comment elle va, Irina? Oh, oh, Burk, Burk, Burk. Hein. Left radius et right leg. Allez, on va opérer. Pour la fois que Jack opère. Allez, on installe une nouvelle gambette sur la gamine de 14 ans, je crois. C'est ça. Boop. Elle a l'air d'avoir tenu. Ça tient. Et quant à son bras, même histoire. Et un petit coup de Healer Mec Sérum. Ça, c'est juste pour être sûr que ça survive. Et voilà. Et la perte de sang a été soignée. Voilà, elle est plus du tout en danger. Fou. Elle est sortie d'affaire. Excellent. Bon, bien sûr, politique des prisonniers, on la connaît. Hein. Convertir, puis esclavagiser. Convertir. Convertir. C'est marrant que Jack ait géré la maison tout seul pendant qu'eux ils sont en train de construire la route à une vitesse somme toute assez folle. Hein. Ils sont en train de faire l'autoroute mais à une vitesse mais tout à fait honorable, hein. il faut le reconnaître. Va travailler, connard. Vous avez plus la ressource? Eh ben rentrez. Soit qui manque, à votre avis, c'est les composants avancés, hein, je pense. Hein. Ouais, je pense que c'est les composants avancés, tant pis. Mais pour ça, il faut de l'or. Ils vont rentrer chez eux et ça va être un bordel, ils vont pas comprendre. On va pas mal en attendant, pas mal, pas mal. Ah, il y a ça aussi, excusez-moi. Ajustement du climat de la part de terroristes. Donc on s'apprête à faire une dinguerie. Hein.
trop rapide. On a pu vous sauver, mademoiselle. Nos hommes de terrain sont un peu brusques, ont pris de les excuser. Ah non, 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 non! Elle m'a attaqué, elle servait de bouclier humain aux membres de la fédération. Alors là, ici, il y a quelqu'un qui a une machine qui change petit à petit le climat du lieu. Et ça me pose un certain problème. De fait, Deus Vult. Deus Vult, disais-je. Oh! Ça fait donc ça, l'épée sacrée, c'est sympa. Oh! Bon, après... Là! Je suis ravi de voir que cette conversation a mis tout le monde d'accord. El Famoso, le climatajusteur. Remarque, il ajuste la température de plus 10 degrés. Est-ce que c'est quelque chose que l'on ne veut pas? C'est une vraie question, hein. Je le gardais en stock, cette petite croix, juste pour la tester. Hein. J'ai bien fait de pas m'en servir avant parce que c'était complètement OP. Hein.
Alors, tous ces gens sont devenus des esclaves. Et c'est somme toute très très bien. Voilà. Tous ces gens sont devenus des esclaves et je pense qu'on les traitera la prochaine fois. Je pense qu'en l'état, là... Voilà. En l'état, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire. Bon, à part se débarrasser de tous ces ARG qui, du coup, servent absolument plus à rien. Et ils ne sont même pas destructibles. Waouh ! Waouh ! Je me suis bien mis dans la merde avec ces trucs. Hein. Impeccable ! Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Je me suis quand même bien amusé. Merci infiniment, ça m'a détendu. Demain soir, ou plus exactement plus tard dans la journée, là, telle qu'on est, opération OPSP Warhammer 3, deuxième ou troisième extension ? Troisième expansion pack ? Je crois que c'est la première expansion pack pour Warhammer 3, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans tous les cas, la violence, la guerre, telle qu'on l'appelle, les bisous. Et à la prochaine. Aujourd'hui, on aura quand même bien bulli les furies.